Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur notre cours. Je vais commencer par revenir un petit peu sur les notions les plus importantes que nous avons vues durant la dernière séance. Donc en fait, nous avons considéré pour un schéma numérique, nous avons considéré donc introduire et donner les définitions des trois notions les plus importantes qui sont utilisées, la consistance, la stabilité et par conséquent la convergence. Donc, nous avons aussi parlé de l'ordre de la consistance, qui est aussi ordre de la convergence. Donc, ces notions sont très importantes. Pourquoi? Parce que nous avons vu que lorsque on manipule donc grandeur numérique, très résolution numérique, on travaille sur des machines de calcul, bien, il y a différentes sources d'erreurs. Et c'est là notre, on va dire. Notre champ de bataille, si vous voulez, c'est en analyse numérique en général, c'est l'erreur, c'est de maîtriser les erreurs de différentes sources. Donc, les différentes sources, nous avons vu que les erreurs peuvent venir des approximations qu'on effectue pour élaborer un schéma numérique, parce qu'on ne travaille pas avec les valeurs exactes, mais avec des approximations. Ils peuvent venir d'un calcul itératif, c'est-à-dire je prends une valeur approchée d'une quantité donnée. Et j'utilise cette quantité successivement pour refaire les calculs. Et donc, à chaque fois, j'utilise la valeur approchée au lieu de la valeur exacte. Et donc, à chaque étape, chaque itération, j'aurai encore une partie de l'erreur qui va s'ajouter. Ajouter à tout ça les erreurs que nous avons vues, qui sont les erreurs de troncature, parce que les machines en général utilisent des troncatures de nombres, donc évidemment il y a des erreurs de troncature, de traitement machine, et nous avons vu aussi qu'il se peut qu'il y a des erreurs à la base, c'est-à-dire pour les conditions initiales, pour évaluer donc de manière expérimentale ou approximative donc les conditions initiales, ou les premières valeurs au moins. Donc, tous ces éléments-là ont fait que on peut élaborer des schémas numériques, mais une grande question est posée concernant est-ce que ces schémas ou ce schéma élaboré va nous donner une solution approchée? Je rappelle que là, nous sommes en train de chercher des solutions approchées des équations différentielles ordinaires. Ça veut dire quoi une solution approchée? Sur un intervalle donné, je prends un certain nombre de points. La solution exacte, c'est x, un ensemble de points ti, je vais dire. C'est un ensemble fini, donc de points ti sur cet intervalle de travail. Et puis, les valeurs exactes sont les x ti. X, c'est la solution de l'équation différentielle. Alors, on cherche une solution approchée dans le sens que je cherche une valeur approchée à chaque x ti, qui est la valeur x ti. Donc, c'est là. Et donc, il y a des notions d'erreur qui est donc l'erreur, la première notion d'erreur, ici, c'est l'erreur ponctuelle, c'est-à-dire, en chaque point TI, quelle est la différence entre la valeur exacte XTI et la valeur approchée calculée qui est XTI. Donc, une fois, nous utilisons soit des méthodes basées sur le calcul dérivé, soit des méthodes basées sur le calcul intégral. Nous pouvons établir et élaborer des schémas numériques, mais le travail ne se terminera pas à ce niveau-là. Parce que là, il faut se poser la question, est-ce que ce schéma numérique va nous permettre d'obtenir une solution approchée, entre parenthèses, et une bonne solution approchée, c'est-à-dire une solution qui va nous donner les approximations souhaitées, mais en même temps, que ces valeurs-là, ces approximations, vont être exploitables, utilisables, c'est-à-dire on doit être sûr qu'ils sont autour de la solution exacte, que l'erreur, il est contrôlée, il est maîtrisé à un certain niveau ou un certain seuil de tolérance de l'erreur. Donc, nous avons introduit ces trois notions. Nous avons commencé par l'erreur de consistance, qui est la différence entre les valeurs exactes et la valeur obtenue par le schéma numérique en utilisant à un certain niveau, en injectant la valeur exacte au lieu de la valeur approchée. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. D'accord? Xtn plus 1, c'est la valeur exacte. Xtn moins hφ, le reste, c'est la valeur obtenue avec le schéma numérique. Mais au lieu d'injecter ou d'utiliser la valeur approchée au niveau antérieur,
on utilise xn, qui est la valeur exacte. Donc, cette différence-là, c'est l'erreur de consistance. Nous avons des calculs par rapport à l'erreur de consistance pour comprendre c'est quoi l'erreur de consistance. Et puis, nous avons la définition d'un schéma consistant. C'est la somme de l'ensemble des erreurs de consistance qui tend vers zéro lorsque le pas h tend vers zéro. Bien sûr, ici, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que, voilà, jusqu'à maintenant, nous avons considéré un cas particulier. J'ai tenu à préciser cela au début. Ce cas particulier, c'est un cas qui est important, mais pas le seul. Il y a d'autres cas plus importants d'une manière un peu générale. C'est que là, depuis le début de ce cours jusqu'à maintenant, au moins, nous avons utilisé un pas constant, c'est-à-dire uniforme, c'est-à-dire h, il est le même pour n'importe quel ti, ti plus 1. Alors, en pratique, rien ne nous oblige de considérer un pas constant. Et donc, les définitions doivent être adaptées si on opte pour un schéma qui est plus général, c'est-à-dire un schéma avec chaque intervalle, chaque sous-intervalle de discrétisation, nous avons un pas différent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser dès maintenant pour que soit clair pour tout le monde. Alors, jusqu'au début, nous avons dit, bah, nous allons travailler sur un intervalle T0, T0 plus T. D'accord? Nous avons opté pour une discrétisation de cet intervalle en posant H, hein, on veut N sous-intervalle. Donc, nous avons posé H, c'est T0 plus grand T moins T0, c'est grand T sur N. D'accord? Ce qui fait que je prends n'importe quel TI plus 1 moins TI, c'est H. Là, c'est un cas important. Mais c'est un cas qui n'est pas un cas général. Pourquoi? Parce que pour des raisons, soit de calcul numérique, soit de compréhension d'un problème, si nous travaillons avec un problème qui modélise donc des données donc issues sciences physiques par exemple, et on comprend qu'il y a des zones où nous ne pouvons pas considérer H très grande, d'autres qu'on peut tolérer H qui est très grande. Donc on fait quoi? On fait une discrétisation adaptée. Une discrétisation adaptée, c'est que au lieu de considérer donc H T sur grand N, et oui, et là nous avons dit que TI c'est T0 plus IH, c'est ce que nous avons dit. Donc à chaque fois, le point TI il est défini comme donc avec une distance IH à partir de l'extrémité T0. Ça, c'est le cas que nous avons utilisé jusque maintenant. Ben, il se peut, pour des raisons donc bien justifiées, que cette discrétisation soit tout à fait différente. C'est-à-dire que je vais considérer discrétisation T0, T1, jusque TN, mais avec TI plus 1 moins TI égale à HI. C'est-à-dire, réellement, je peux prendre T0 ici, T1 là. D'accord? T2. Puis je peux prendre T3, par exemple, hein, n'importe quoi. Puis, je veux me concentrer sur les valeurs au milieu de l'intervalle. Donc, je vais rapprocher encore les points, T4, T5. D'accord? Continuer encore et faire la même chose à la fin. Donc, rien ne nous oblige à considérer donc, ce pas donc, uniforme. Donc ça, c'est le cas général. Donc nous pouvons et nous allons reformuler quelques définitions, quelques théorèmes dans ce cas. Bien sûr, prenons l'exemple là, nous sommes en train de voir la consistance. Bien sûr, ici, pour adapter cette définition, ben, H n'est plus une constante. Donc nous n'avons pas H, nous avons des HI. Donc pour adapter cette définition, par exemple,
Nous pouvons considérer un star, H étoile, tel que H étoile égale le max de HI, allant de 0 jusqu'à N, et utiliser la limite lorsque H étoile tend vers 0. Donc, c'est une remarque très importante qu'il faut comprendre dès maintenant. L'ensemble des notions que nous avons vues et que nous allons voir encore, avec un pas constant H, on peut les reformuler avec un pas variable HI, avec des pas variables HI, d'accord? Avec une adaptation précise des définitions et aussi des démonstrations, parce que par la suite, nous allons revoir quelques démonstrations. Ben oui, et ben il faut adapter aussi les démonstrations parce qu'il y aurait quand même quelques précisions à ajouter. Voilà. Donc, nous avons vu la définition de la consistance et nous avons vu une caractérisation de la consistance. Ça, c'est très important. C'est une caractérisation avec une équivalence si selon mon si. Donc, c'est un outil important pour vérifier et démontrer donc la consistance. C'est que la fonction phi qui définit le schéma numérique sous forme xn plus 1 égale à xn plus h phi tx h, elle vérifie cette fonction phi, elle doit vérifier en particulier phi tx 0 lorsque le pas est nul, h égale à 0. C'est exactement la fonction f tx qui est la fonction qui figure dans le problème de Cauchy. Nous avons bien sûr vérifié que les exemples élémentaires que nous avons vus des schémas numériques sont tous consistants, les trois, Euler, point milieu et le schéma de Hund, d'accord, avec une ligne de calcul. Nous avons défini l'ordre de consistance, et l'ordre de consistance, en plus, ce n'est pas seulement la limite qui tend vers zéro, mais c'est une majoration de cette somme des erreurs de consistance avec la quantité k h à la puissance e. D'accord? C'est l'existence d'un réel k qui vérifie cette majoration de l'erreur. Et là, on parle de majoration d'erreur avec h à la puissance p, c'est la consistance d'ordre. Bien sûr, ça a un lien avec la convergence d'ordre p que nous allons voir plus loin. Donc, la stabilité, ça aussi c'est une notion importante. Stabilité par rapport à quoi? Stabilité par rapport aux perturbations. C'est ce qu'on appelle une perturbation. Une perturbation, c'est lorsque j'ajoute une quantité qui est très petite, hein, à un élément donné. D'accord? Soit point x0 à la base, je prends une valeur approchée ou une valeur effectué au laboratoire sur des mesures expérimentales. Et donc là, je ne peux pas dire que c'est la valeur exacte xn. Donc je peux toujours, il y a toujours des incertitudes, il y a toujours ce qu'on appelle une perturbation, c'est-à-dire une petite différence, epsilon. Et lorsque j'ajoute epsilon dans mon schéma numérique, je me pose la question, est-ce que la différence, d'accord, entre les résultats ou les suites ou les valeurs définies par les deux schémas, le schéma initial et le schéma perturbé. Regardez, le schéma perturbé, c'est le deuxième. Donc, à chaque étape, je n'utilise pas que le schéma numérique, mais à chaque étape, il y a une petite perturbation. Cette perturbation, elle peut être due à des erreurs, soit de troncature, soit des erreurs de nature donc expérimentale. Et donc, quand est-ce qu'un schéma est stable? Ben, c'est en fait les valeurs calculées par les deux schémas, initial et perturbé, restent dans le même ordre de grandeur, c'est-à-dire que la différence, elle est contrôlée, elle est maîtrisée, elle est contrôlée et maîtrisée et majorée, le max, c'est-à-dire n'importe quelle valeur n. La différence entre la valeur définie par le schéma initial qui est xn et la valeur définie par le schéma perturbé qui est xn tilde, ben, il est majoré par une constante qu'on peut dire. Il prend la forme ici, m, la différence initiale entre les deux valeurs initiales, plus une majoration, plus la somme
des perturbations. Bah, bien sûr, là, nous sommes en train de parler de perturbations qui sont des epsilon n, des valeurs qui sont très petites, et donc, évidemment, la somme reste donc, globalement maîtrisée, et c'est l'existence de n qui est à vérifier ici. Est-ce qu'on peut trouver cette constante qui vérifie cette définition-là? Nous avons aussi, là c'est une définition comme la première, c'est une définition abstraite, donc nous avons vu une caractérisation. Une caractérisation ou un critère de stabilité, ben, nous avons dit tout simplement un schéma il est stable si la fonction phi qui définit le schéma elle est globalement lipschitzienne sur l'intervalle de travail T0, T0 plus grand T. D'accord? Donc la caractérisation. Et puis, nous avons regroupé les deux notions pour la troisième, qui est la plus importante, qui est la convergence. Pour n'importe quelle convergence, ça veut dire que j'ai deux éléments que je veux les rapprocher. Là, la signification un petit peu, on va dire, sens large et grossier de la convergence. Donc, quels sont ces éléments-là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, sont les valeurs, la valeur exacte. Alors, chaque point n, c'est la valeur exacte xtn et la valeur rapprochée xn. Donc, la définition mathématique de la convergence, nous avons dit tout à l'heure, la convergence veut dire que les valeurs rapprochées restent proches et très proches des valeurs exactes. Bah, notion de proche n'est pas très mathématique. Comment on va le quantifier mathématiquement? Ben, c'est la valeur absolue entre xtn moins xn, la valeur absolue de la différence xtn moins xn. Et comme il s'agit d'erreurs ponctuelles, ben, nous voulons donner ici une définition mathématique globale. Ben, nous prenons le max, c'est-à-dire l'écart le plus important, et il tend vers zéro avec h. D'accord? Là, bien sûr, c'est encore une fois pour un pas h constant. Ben, s'il s'agit d'un pas variable, si nous avons des hn ou des hi au lieu de h, bien sûr, il faut adapter aussi la définition de ici. On ajoute donc peut-être, comme dans l'autre cas, un h étoile qui est donc le max des hi. Et nous avons donc le théorème de l'axe, qui est donc un théorème fondamental pour ces schémas numériques. C'est que pour démontrer la convergence, bah, il suffit de démontrer la stabilité et la consistance. D'accord? Si un schéma explicite un pas, s'il est stable et consistant avec un problème de Cauchy, bien sûr, bien défini, alors il converge vers la solution de ce problème de Cauchy. Donc, c'est un théorème donc important qui nous donne des outils pour démontrer la convergence. Parce que là, encore une fois, par rapport à cette définition, nous avons parlé de ça la dernière fois. C'est une définition mathématique abstraite, oui, mais est-ce qu'il est utilisable numériquement? Non, parce que le xtn, il est supposé inconnu. D'accord? Donc, le xtn, il est supposé inconnu. Nous cherchons une solution approchée. Ben. Donc, on ne peut pas utiliser xn réellement comme critère, par exemple, de vérification ou autre. Donc, c'est une définition mathématique abstraite, oui, mais pour pouvoir l'utiliser, ben, nous avons besoin de critères. Comme les critères que nous avons, nous avons des critères pour la consistance et la stabilité, ben, l'axe a eu cette idée de regrouper donc les trois notions, et il a réussi donc à démontrer son théorème, qui nous permet maintenant, d'une manière un peu plus, on va dire, facile, de démontrer la convergence d'un schéma numérique en se basant sur les deux critères, le critère de consistance et le critère de stabilité, qui sont des critères pratiques. Hein. On peut les manipuler, on peut faire des calculs pour ces deux critères. Donc, et la dernière notion que nous avons eue, c'est une convergence d'ordre P. Donc, elle se base sur la consistance d'ordre P. D'accord? Et dans ce cas, donc, si le schéma explicite est stable, nous n'avons pas de stabilité d'ordre P, attention, nous avons la même notion de stabilité parce que la stabilité elle est définie par rapport aux perturbations. Donc la stabilité nous donne
une constante, l'existence d'une constante m que nous avons vu dans la définition. Et si le schéma est consistant d'ordre p, nous avons l'existence d'une constante k telle que l'erreur de consistance est majorée par k h à la puissance p. Donc, dans ce cas, si nous avons la stabilité et la consistance d'ordre p, nous avons cette majoration de l'erreur ponctuelle en chaque point, xtn moins xn, avec le max. Donc, cette majoration devient vraie quel que soit n. Donc, cette majoration d'erreur en chaque point Kn, qui entre la valeur exacte et la valeur approchée, qui est une majoration de l'erreur par mk h à la puissance p. Et là, on dit que ben, c'est la méthode ou le schéma, il est d'ordre p. Là aussi, ça reste une définition qu'on ne peut pas utiliser dans le cadre de calcul numérique, de test, de vérification, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a un critère ou des critères qui nous permettront de contourner cette définition, d'accord, pour pouvoir directement utiliser donc un ou plusieurs critères pour démontrer donc qu'une méthode est convergente, et pas seulement, mais convergente d'un certain ordre P à déterminer. Donc, c'était donc le dernier résultat que nous avons vu la dernière fois, mais j'ai dit que nous allons revenir sur cette notion-là pour plus de précision. Donc, pour une fonction de classe CP au moins, le schéma explicite à un pas, qui est le schéma que nous avons défini depuis le début, qui est xn plus 1 égale à xn plus h phi de t, xn et h, est consistant d'ordre au moins p, avec le problème de Cauchy. Donc c'est l'ordre de consistance, mais bien sûr avec l'ordre de consistance et si on arrive à vérifier la stabilité à part, ben, nous allons obtenir l'ordre de convergence. C'est pourquoi c'est noté l'ordre de convergence, d'accord? On peut remplacer ordre de convergence par ordre de consistance, mais on sait que si on arrive à démontrer à déterminer l'ordre de consistance, la stabilité, il n'y a pas d'ordre de stabilité, donc si j'arrive à vérifier la stabilité, bah, oui, ça y est, je peux regrouper les deux notions, stabilité et consistance avec un ordre donné, P, pour obtenir donc la convergence d'ordre P. Avec la fonction classe au moins CP, nous avons les conditions. Attention, ici, il n'y a pas d'équivalence. Hein. Il faut bien distinguer donc les critères ici par rapport aux autres. Les autres, il y avait donc une équivalence, c'est-à-dire... maintenant ici, non, nous avons donc des conditions qui nous permettent de diluer donc l'ordre. Bon, nous avons progressivement des conditions, d'accord, et ces conditions-là vont s'arrêter à un certain niveau qui va nous renseigner sur l'ordre de consistance et par conséquent, si le schéma est stable, sur l'ordre de convergence. Donc, le premier niveau, c'est phi tx0 égale à fpx. Bien sûr, ça c'est la caractérisation de la consistance. C'est la consistance. D'accord? Donc, c'est la consistance simple. Donc, on va voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel ordre? Consistance, est-ce que c'est l'ordre 1 ou c'est l'ordre 0? Nous allons voir ça par la suite. Bon, ensuite, nous avons deuxième condition, troisième, et ainsi de suite. On peut, d'une manière récurrente, continuer à vérifier ces conditions jusqu'au, donc, trouver donc un niveau P où ce type de condition ne soit pas vérifié. Donc, regardons ces conditions de près. Alors, la première, c'est B sur DH, dérivée partielle de H par rapport à sa troisième, la dérivée partielle par rapport à h de phi,
Donc, c'est la dérivée partielle de phi par rapport à sa troisième variable h, qui est égale, qui doit être égale à 1 demi différentiel de f au point tx. Bien sûr, différentiel f, c'est, il est calculé par dérivée partielle de d sur dt, première variable de ftx, plus ftx, d sur dx de ftx. D'accord? Et la même chose, d'une manière récurrente, le niveau 2, c'est la dérivée d'ordre 2 par rapport à h toujours de phi. D'accord? La deuxième dérivée, ou la dérivée d'ordre partiel d'ordre 2 par rapport à la troisième variable de phi. Est-ce qu'il est égal à quoi? Au lieu que ce soit 1 sur 2, ça va être 1 sur 3. D'accord? 1 sur 3. Comment on fait la liaison entre le lien et la dérivée partielle? Bien sûr, entre la constante et la dérivée partielle, bien sûr, c'est la dérivée partielle, c'est la dernière ligne. La dérivée partielle d'ordre p moins 1 donne lieu au coefficient 1 sur p. Donc, si on prend p égale à 0, p égale à 1 plutôt, on aura la dérivée partielle d'ordre 0. Il n'y a pas de dérivée partielle d'ordre 0, donc il n'y a pas de dérivée. C'est la première ligne. Alors, il n'y a aucune notion de dérivée partielle d'ordre 0, donc il n'y a aucune dérivée en fait. Donc, c'est la première ligne, c'est la fonction elle-même. Et de l'autre côté, ça va être quoi? 1 sur 1, c'est 1. La différentielle d'ordre 1 moins 1, 0 de ftx, c'est. Là encore, différentielle d'ordre 0, il n'y a pas de notion de différentielle d'ordre 0, donc c'est. Il n'y a pas de différentielle, c'est ftx. D'accord? C'est exactement ça. Donc, en fait, cette série de conditions, comment nous allons appliquer cela dans une situation pratique. S'agit d'une manière récurrente avec un test d'arrêt, d'accord? C'est-à-dire, j'ai la dérivée partielle d'un certain ordre, d'accord? La fonction phi tx h, 0 bien sûr ici. D'accord? C'est la dérivée partielle appliquée au point 0 égale 1 sur p. De quoi? De la différentielle au niveau toujours p moins 1. Regardez la correspondance que nous avons ici. D'accord? P moins 1, différentielle d'ordre p moins 1. Sauf que le différentiel d'ordre p moins 1, il est défini par récurrence par rapport au niveau suivant. Il est très important de noter ces éléments-là parce que dans la vérification pratique, ça a un impact sur la vérification pratique. Nous allons voir quel est l'impact ici. Donc, voilà. Ici, ça va être différentiel d'ordre moins p moins 1 de f tx. Bien sûr, ici, c'est quoi? C'est 1 sur p différentiel, la différentielle p moins 2 de f tx. Et on continue jusqu'à arriver à la première, hein, par ces définitions emboîtées, ce forme de calcul itératif. Bon, il ne s'agit pas de calcul ici, il s'agit de différentiel a d ftx, c'est-à-dire la deuxième ligne ici, voilà, qui est la dérivée partielle par rapport à t plus ftx, la dérivée partielle par rapport à x. D'accord? Et donc, ça nous donne le fait que pour vérifier ces conditions, nous ne pouvons pas sauter de ligne de calcul. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vérifier qu'une méthode est d'ordre 3 directement. Non, nous serons obligés, par la nature des conditions que nous avons, de vérifier l'ordre niveau par niveau. Et d'ailleurs, c'est le cas pour l'ensemble des méthodes numériques. L'ordre d'une quadrature d'intégration numérique, par exemple, vous savez, à l'exception de quelques méthodes usuelles où on connaît déjà l'ordre de fil,
pour une quadrature quelconque, ben on dit, voilà, ben il faut commencer par le polynôme de degré 0. Si on trouve la même valeur, c'est-à-dire entre la valeur exacte et la valeur exacte intégrale et la valeur quadrature, on passe à un polynôme de degré 1. Si encore il y a égalité, on passe au polynôme de degré 2, jusqu'à arriver pour la première fois à un degré P, où la valeur exacte de l'intégrale et la valeur quadrature de l'intégrale sont différentes. On revient au niveau précédent et on dit voilà l'ordre de cette méthode. Ça, c'est ce que vous avez vu pour l'intégration numérique. Ben, c'est un petit peu la même chose ici. Donc, nous avons remarqué que si P égale à 0, ça nous donne la notion de consistance, d'accord? Qui est phi Tx 0 égale à Ftx. C'est la première vérification. Après, pour que P égale à 1. Voilà. Donc, si un schéma est consistant, ben, il est consistant d'ordre 1. Maintenant, pour vérifier s'il est consistant d'ordre 2, ben, je vais remplacer P, c'est par 2. J'aurai la dérivée partielle d sur th de phi tx 0. Est-ce qu'il est égal à 1 sur 2, p égal à 2, de quoi? De la différentielle de f. Et la différentielle de f tx est 1 demi de d sur dt de f tx plus f tx. Voilà, plus Ftx d sur Tx de Ftx. Voilà. Maintenant, si cette égalité est vraie, si celle-là est vraie, le schéma est consistant. Si celle-là est encore vraie, le schéma est consistant au moins avec un ordre 2. Mais je ne peux pas déduire que l'ordre est bien 2. C'est au moins l'ordre est les 2. Je peux ou je dois, si je veux déterminer l'ordre exact, je dois vérifier encore pour 3. La même chose, j'aurai une dérivée seconde. Les calculs vont être un peu plus longs. Et si il y a encore égalité, ben ça veut dire que le schéma est consistant d'ordre 3, au moins. D'ordre au moins 3. Et donc, ça ne veut pas dire que l'ordre est 3. Quand est-ce que je vais revenir pour dire voilà l'ordre exact? C'est lorsque je trouve ici deux valeurs différentes à un certain niveau. Donc, je vais revenir au niveau précédent pour dire voilà le schéma, il est d'ordre tel. Dans ce cas, va être d'ordre 3, pas d'ordre au moins égal à 3. Là, il y a bien sûr. Pour obtenir une méthode avec un ordre donc élevé, ce n'est pas toujours accessible. Donc, nous allons voir plusieurs exemples de schémas d'ordre 1, 2 et quelques méthodes quintuple où on va voir qu'il y a au moins une méthode d'ordre 4 et qui est donc une méthode très intéressante. Ça veut dire quoi une méthode d'un ordre qui est élevé. Il faut comprendre ça par rapport à cette définition-là. N'oublions pas que H est un pas de discrétisation. Donc, souvent, H prend des valeurs très, très, très petites. Donc, pourquoi ici on parle de l'ordre de convergence? Parce que, et ça vous le savez, on peut de suite peuvent converger, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que pour la première, nous avons une convergence entre guillemets lente, c'est-à-dire que les valeurs varient petit à petit avec des variations qui sont très petites, et donc il faut un grand nombre de termes, d'indices n pour arriver au voisinage de la limite. D'accord? Par contre, pour une autre suite, cette convergence-là, elle est plus rapide entre guillemets et donc au bout de quelques termes, nous pouvons arriver rapidement au voisinage de la limite soude. On peut donner un exemple simple hein, sur le suite.
comprendre c'est pourquoi cette notion d'ordre de convergence, parce que ça ne dépend pas que des schémas numériques, c'est une notion qu'on peut appliquer donc un peu partout où il y a des convergences. Regardons ces deux suites-là. Évidemment, ces deux suites-là convergent vers zéro lorsque un temps vert pousse l'infini. Est-ce qu'ils convergent de la même manière? Évidemment, non. Vous avez comme terme 1, 1 demi, 1 tiers, ainsi de suite. Donc, si vous voulez arriver dans un intervalle de 10 moins 5 autour de la limite 0, ben, il faut calculer combien d'itérations. Vous pouvez faire le calcul, vous allez voir comment. Par contre, pour la deuxième suite, ben, vous aurez 1 centième directement, puis 1 sur 200, puis 1 sur 400. Voilà, ça passe beaucoup plus rapidement. Et donc là, si je veux localiser les termes autour de la limite, bah, le comportement de ces deux suites n'est pas le même. D'accord? C'est-à-dire, avec la première qu'on va qualifier de lente, entre guillemets, il va falloir effectuer beaucoup plus d'itérations de calcul pour arriver dans cet intervalle. Alors que pour la deuxième, ce n'est pas la même chose. Bah, c'est exactement, donc, on va dire un petit peu, ça me permet de comprendre ce phénomène. Nous avons h à la puissance p. Ça veut dire quoi? H, il est toujours, c'est une valeur qui est très petite, hein, c'est un pas de discrétisation. Nous allons voir que nous allons prendre dans quelques exemples 0, 1, et encore, ce n'est pas un bon choix, c'est-à-dire il faut prendre donc des valeurs qui sont encore inférieures à 0, 1. Et donc, si nous avons une méthode d'ordre 4, l'erreur elle est majorée par la constante mk, oui, mais h qui est très petite, déjà à la puissance 4. C'est-à-dire que nous allons donc prendre l'écart, nous allons trouver que l'écart il est vraiment très réduit par rapport à une méthode d'ordre 1, où on va trouver que l'erreur, ou l'écart entre la valeur exacte et la valeur approchée, il est majoré par une constante mk, oui, mais seulement multiplié par h. Vous comprenez, c'est de là vient l'importance de la convergence d'un ordre supérieur. Et donc, bien sûr, une méthode qui converge avec un ordre p supérieur à une méthode qui converge avec un ordre p', p supérieur à p', bah, c'est une méthode, on peut dire que c'est une méthode qui va nous donner des résultats qui vont être meilleurs, mais avec un coût réduit. Parce que ce qu'il faut faire attention ici, c'est le coût. Le coût entre parenthèses, ça veut dire quoi? C'est le coût de calcul. Parce que lorsque on travaille sur des cas pratiques, et certains parmi vous peut-être vont faire des études supérieures et vont se spécialiser dans l'analyse numérique, par exemple. Lorsqu'on essaye de résoudre un problème réel tiré, par exemple, je sais pas moi, d'un problème hydraulique ou d'un problème de conservation d'énergie dans une voiture électrique ou quelque chose comme ça, ce problème réel va être décrit par des équations donc différentielles donc importantes pour faire les calculs. Il faut penser au coût de calcul, c'est-à-dire ça va demander combien de temps, quelle capacité pour votre machine. Voilà, et donc il y a un coût. Le coût, c'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre d'obtenir donc une solution dans les normes fixées ou avec les normes que nous avons fixées. Et donc, utiliser une méthode d'ordre supérieur, elle est toujours, c'est un gain sur le plan coût, soit de calcul, soit de temps, soit de capacité donc, de votre machine de calcul, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, cette caractérisation, elle est à utiliser dans un ordre croissant. On vérifie l'ordre 1, d'accord, ça c'est la base. Et puis on essaye de vérifier l'ordre 2. Ou bien c'est bon, donc on passe à l'ordre suivant. Ou bien ça ne passe pas, donc je vais revenir pour dire, bah, cette méthode elle est seulement d'ordre 1. Ça passe par 2, pour 2, mais ça ne passe pas pour 3. Bah, je vais revenir et dire, cette méthode elle est d'ordre 2. Si je fais la vérification juste pour un ordre donné,
Q'ln, et je ne le fais pas pour l'ordre suivant Q'ln plus 1, tout ce que je peux dire, c'est que cette méthode, ce schéma, il est consistant avec un ordre au moins égal à Q'ln. C'est-à-dire que j'ai donc un certain niveau de consistance, mais il se peut que le niveau soit encore plus important. Bien. Donc, ces trois notions-là sont les clés de notre cours. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons donc présenté dans le cas avec H constant. Nous allons les représenter un peu plus tard dans le cas général, c'est-à-dire avec des pas variables HI. Et ça donne lieu à des démonstrations mathématiques très importantes pour pouvoir démontrer. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Je vous ai demandé de faire des petites recherches et d'essayer de comprendre ces démonstrations. Et nous allons donc, je continue à vous demander de faire ça. Nous allons revenir sur ces démonstrations probablement dans les séances présentielles. Nous avons donc trois, quatre résultats importants qui sont les clés de notre cours jusque maintenant. C'est le critère que nous avons utilisé, le critère que nous avons utilisé pour définir la consistance, le critère pour démontrer, pas pour définir, le critère pour démontrer la consistance, le critère pour démontrer la stabilité et le fait que la convergence, il est associé aux deux notions. Ça, le théorème de l'axe, c'est un théorème qui se démontre. Bon, la démonstration est importante, il se fait en quelques étapes, mais il est faisable à votre niveau. D'accord? Donc, et puis, nous avons aussi cette caractérisation pour un ordre, pour un schéma consistant avec un ordre donné. Voilà. Donc, l'étape suivante va être d'attaquer donc un autre type de schéma, qui sont les schémas de Kintschouker. Mais avant de les entamer, nous allons prendre quand même un ou deux exemples pour revoir un petit peu ces notions-là définitivement. Donc, si vous avez des questions, comme je dis toujours, donc vous pouvez demander la parole ou bien poser votre question dans la discussion. Sauf si vous écrivez quelque chose dans la discussion, peut-être je suis pas toujours sur la discussion, donc vous pouvez toujours activer votre micro et me dire, monsieur, j'ai une question. Voilà. Alors, donc ici, pour cette application, nous plaçons dans le cadre général des schémas numériques, c'est-à-dire je considère donc un intervalle T0, T0 plus T, c'est un intervalle de travail, et une fonction globalement cartésienne sur cet intervalle, donc c'est-à-dire il vérifie par rapport à sa deuxième variable, bien sûr, c'est la condition pour que le problème, c'est une condition qui permet au problème de Cauchy de dire que le problème de Cauchy admet une solution unique, d'accord? Px moins Fty en valeur absolue inférieure à Lx moins y, et donc le problème de Cauchy est donc associé. Donc ici, on veut vérifier que le schéma d'Euler explicite a un pas de temps constant, voilà, un pas de temps constant, donc c'est H est constant, pour résoudre 2 est consistant et stable. Calculer la différentielle première et seconde de f, en déduire l'ordre de convergence du schéma d'Euler. Donc, le schéma d'Euler, montrer qu'il est consistant plutôt, c'est h qui est constant, montrer qu'il est consistant et stable. Nous avons deux critères pour pouvoir, donc, ce qu'il faut faire, c'est de poser la définition d'abord. C'est quelque chose que nous avons, ces éléments-là, nous avons déjà vu. Donc, le problème de Cauchy,
le problème de Cauchy. Voilà. Donc, c'est x prime égale à f dx avec x0 donné. D'accord, une condition initiale. Donc, la fonction f est Lipschitzien sur l'intervalle. Sur T0, T0, T0 plus T. F et L Lipschitzien. D'accord? Donc, nous avons les conditions pour que ce problème admet une solution unique. Méthode d'Euler ou schéma d'Euler. Nous avons le choix. On peut appliquer la définition directement. Je peux intégrer, c'est la même chose. Là, bien sûr, c'est un schéma qui est simple, donc ça ne nécessite pas de refaire les calculs. Quoique, je vous encourage à chaque fois d'ajouter une ligne de calcul pour intégrer le schéma au lieu d'apprendre des formules qui sont parfois difficiles à retenir ou qu'on risque de commettre des erreurs. De toute façon, le schéma d'Euler, il est simple, explicite, avec un pas de temps constant. Donc, xn plus 1 égale à xn plus h f de tx. Bien sûr, c'est notre fonction phi et xh. Avec le h, le premier h là, il n'est pas dans phi. Hein. Je vais faire très attention par rapport à ça. Un schéma numérique s'écrit xn plus 1 égale à xn plus h phi. Trois variables. Donc le h ici ne fait pas partie de phi. Notre phi pour le schéma d'Euler, c'est f de x. La consistance, un schéma est consistant si seulement si phi de t x0 égale à ftx. Ben nous avons ftx, phi txh égale à ftx, quel que soit h. Quel que soit h, parce que h ne figure pas dans ne figure pas oui, phi, voilà h, parce que h ne figure pas dans l'expression de f. Donc en particulier, bien sûr, ft x0 égale à ftx, et bien sûr, ça nous donne le schéma est consistant. C'est la première vérification. La deuxième, c'est la stabilité. Nous avons le critère de stabilité. Il nous dit quoi ce critère de stabilité? Faut revoir encore une fois notre cours. D'accord? Alors, la stabilité, nous avons la définition, mais nous avons le critère. Le critère, c'est que la fonction phi est lipschitzienne. Bien sûr, ici, il n'y a aucun calcul à faire. Pourquoi? Parce que la fonction phi, c'est exactement la fonction f, et on sait que f est lipschitzienne. La fonction phi est lipschitzienne par rapport à quelle variable? C'est très important ici. Regardez, la fonction phi est une fonction à trois variables, tx et h. Donc, la condition pour que, attention ici, contrairement à la consistance, c'est une condition qui marche dans un seul sens. La condition suffisante pour que le schéma soit stable, c'est que la fonction phi soit lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable. Donc la deuxième variable ici, c'est x. Donc, nous allons faire quoi? Ben, nous allons calculer et nous intéresser à. Nous allons nous intéresser à la fonction et au rapport ftxh moins f phi txh moins phi tyh. D'accord? Lipschitzien par rapport à sa deuxième variable. Les autres sont supposés être constants. Donc, mais par définition, c'est exactement ftx moins ftyr. Et comme nous avons f est une fonction lipschitzienne de rapport de constante L, donc c'est ftx
plutôt x moins y, donc phi px i h moins phi py h est inférieur à l x moins h. Ça veut dire que le schéma, ça veut dire que phi est lipschitzien, évidemment, et ça veut dire aussi que le schéma est stable. Voilà. Donc, bien sûr, ici, c'est un exemple élémentaire, donc qui ne nécessite pas donc beaucoup de vérification. C'est ce que nous avons dit avec les notations précédentes. Phi xh égale à fpx. Donc, puisque f est lipschitzienne, on déduit que phi est lipschitzienne. Le schéma est stable et la condition la condition de la consistance elle est aussi vérifiée parce que phi txh est égal à ftx, quel que soit h en particulier par 0, pour 0. Donc, c'est un schéma qui est convergent, simple. Alors, référentiel, avec la définition que nous avons, d'accord, c'est avec la définition que nous avons, différentiel de f, c'est df c'est df sur dt plus ftx df sur tx, la dernière ligne, d'accord? Donc, et il faut calculer la dérivée partielle de h. D'accord? Donc là, si je prends phi tx, ça c'est la première condition, je prends la deuxième condition qui est la dérivée partielle de h. H c'est phi est constante par rapport à h. Donc la dérivée partielle par rapport à h de phi est 0. D'accord? C'est très important de le remarquer par rapport aux conditions de définition de l'ordre. Donc, différentiel de f, c'est ce que nous avons dit, df sur dt, dérivée partielle de f par rapport à t, f, dérivée partielle de f par rapport à x. Oui, vous calculez la dérivée, donc, la différentielle seconde. C'est quoi? C'est par récurrence, la différentielle de la différentielle. Donc, c'est d sur dt, df, plus dx sur dt, d sur dx, df. Et je continue. Bon, bien sûr, il y a un calcul. Je vous invite à revoir ces calculs. Vous avez déjà eu un cours de fonction plusieurs variables. Au passage, aux dérivées secondes, l'utilisation théorème de Schwarz pour l'inversion des dérivées partielles et tout ça pour regrouper cette écriture. D'accord? Nous avons ici cette formule. Après, nous allons vérifier. Le niveau de la consistance, nous l'avons déjà vérifié. Le deuxième, c'est que la dérivée partielle de phi par rapport à h est nulle parce que phi est constante par rapport à h et il ne peut pas être égal à un demi-différentiel. Pourquoi ici, directement, je peux dire ça? Parce que différentiel, dftx ne dépend pas de h. Donc, et tx, ils sont quelconques. Et comme il ne dépend pas de h, ben, il n'y aurait pas d'obligation pour que ce soit égal à 0. Donc, je déduis ici que la méthode Euler explicite est une méthode d'ordre 1. Bien sûr, c'est un calcul nouveau pour vous. Il faut que vous le refassiez dans les détails, de revoir un petit peu tous ces calculs par rapport au différentiel des fonctions plusieurs variables et tout, pour pouvoir s'approprier ces calculs. Et donc, on trouve un résultat qui est tout à fait attendu et naturel, c'est que le schéma d'Euler, le premier exemple que nous avons vu des schémas numériques, bah, il s'agit d'un schéma qui est d'Euler explicite, d'un schéma qui est convergent, mais il est convergent juste l'ordre 1. D'accord? Nous n'avons pas un ordre supérieur de convergence. Voilà. Deuxième, on va dire, cas pratique pour pratiquer ces éléments-là, ben, nous allons considérer deux problèmes, deux couchés. Nous avons les deux problèmes suivants, P et S, évidemment. Nous avons une équation différentielle. Nous avons une condition initiale.
sur des intervalles. Regardez ici, on sort du cas général, d'accord? Et donc, dans un premier temps, on considère l'intervalle de 0 à t. Dans un deuxième exemple, on considère l'intervalle de 1 à t. D'accord? Bien sûr, ici, sont des problèmes. D'abord, si ce n'est pas une donnée, si on ne donne pas dans le cas que le problème admet une solution, ben, il faut vérifier que le problème admet une solution avant de se lancer dans les calculs. Ou dans la mise en place d'un schéma numérique et dans les calculs. D'accord? Donc ici, nous avons ces deux problèmes, PS, avec des fonctions qui sont relativement simples. FTX pour le premier égale à T sinus, et pour le deuxième égale à T carré plus X plus 1. D'accord? Avec les conditions initiales, évidemment. Donc, donner le schéma d'Euler explicite en prenant un pas de temps constant. Là, je souligne sur un pas de temps constant. C'est le cas un peu. Je ne veux pas utiliser le terme particulier. Ce n'est pas, c'est un cas qui est très utilisé, surtout dans les cas pratiques, dans les résolutions de problèmes. Mais de point de vue mathématique, ça reste un cas particulier de considérer un pas de temps constant. Parce que le cas, de point de vue mathématique, le cas général, c'est de prendre à chaque niveau un pas de discrétisation différente, c'est-à-dire prendre des points TI qui sont répartis d'une manière non uniforme, adaptés ou pas du tout adaptés, parce que adapté, ça a une signification, c'est-à-dire j'ai des besoins spécifiques sur certaines régions, je veux raffiner la discrétisation parce que j'ai peut-être quelque chose de j'ai besoin de plus d'informations ou j'ai une irrégularité donc donnée donc je dois préciser davantage donc mes points et donc je vais prendre des pas qui sont encore plus petits sur d'autres régions les choses se passent différemment et donc je peux me permettre de considérer un pas un peu plus grand. Ça, c'est dans les cas pratiques. Mais de point de vue mathématique, le cas le plus général qui englobe le tout, c'est de considérer effectivement des HI au lieu de H. Mais là, on reste toujours dans le cas d'un pas constant H. Alors, le schéma d'Euler explicite ne pose aucun problème par rapport à ces éléments-là. Bien sûr, les questions d'existence et d'unicité de la solution sont posées. Ça demande un petit calcul mathématique. La fonction f pour le problème P, c'est ftx, c'est t sinus x. Donc, je vais considérer valeur absolue de t sinus x moins t sinus y. Je peux factoriser par t et le faire sortir. Et j'aurai sinus x moins sinus y. Vous comprenez, il y a des formules de transformation qu'on peut utiliser pour développer ce terme-là. Utiliser le théorème, par exemple, des accroissements finis pour arriver à une constante multipliée par x moins y pour pouvoir démontrer donc que la fonction f est Lipschitzien. Donc, figurez-vous, il y a des calculs à faire ici parfois, surtout avec des fonctions spécifiques comme les fonctions trigonométriques ou les fonctions des arcs ou les fonctions hyperboliques ou les autres. Donc, parfois, il y a un petit calcul supplémentaire à faire. Pour le deuxième exemple, la fonction f ne pose aucun problème. Ftx plus ftx égale à t carré plus x plus 1. Donc, je considère ftx, valeur absolue de ftx moins ftY. Ben, je simplifie t carré 1 et j'aurai x moins y directement. C'est une fonction qui est lipschitzienne de rapport 1. Donc, sans problème. D'accord? Maintenant, les schémas. Ben, les schémas ne posent aucun problème. Nous avons xn plus 1 égale xn plus h phi de TX H et phi de TX H, c'est f de TX. Donc j'aurai xn plus 1 égale xn plus h T sinus X. T sinus I. Bien, donc le schéma, on va réécrire au moins une ligne sur ça.
Donc, peut-être, j'ai oublié un indice tout à l'heure. Donc, xn plus 1 égale à xn plus h phi de quoi? De tn, xn et h. D'accord? Peut-être tout à l'heure, j'ai oublié l'indice n ici. Donc, dans notre cas, xn plus 1 est égal à xn plus h phi cf de tn xn. Donc, c'est xn plus h et quoi? C'est t n sinus xn. C'est notre schéma dans le premier cas et la même chose dans le deuxième. Alors, voilà. Donc, xn plus 1 égale à xn hf tn xn égale à xn plus h tn sinus xn avec la condition initiale x0 égale à pi sur 2. Et pour s, c'est la même chose. C'est xn plus 1 égale à xn plus h fois f de tn xn qui est tn au carré plus xn plus 1 avec la condition initiale x0 égale à 1. Problème, application directe concernant la formule donnant le schéma d'Euler sans aucune difficulté. La deuxième question, voilà. Calculer les deux premières itérations en prenant comme pas de temps. H égale à 0. Donc, le schéma, il est donné. Les deux schémas sont là. Nous avons la condition initiale et nous avons H qui est 0,1. Donc, pour le premier schéma, deux premières itérations, gx0. Donc, deux premières itérations, c'est-à-dire je dois calculer x1, x2. Bah, x1, c'est x0 plus 0,1 qui est h fois t0 fois t0 fois sinus de x0. Donc, voilà, c'est ce que nous avons vu. Donc, pour P, c'est 0,1, T0, c'est 0, T1, c'est 0,1, c'est T0 plus H. Et donc, j'applique la formule normale, ce que nous avons écrit ici. X0, 0,1, T0, c'est 0, et sinus X0, c'est sinus P sur 2. D'accord? Donc, c'est ce qui a été donc, développé ici. 0,1, ça c'est pour X0. Pour x1 plutôt, et sur 2h t0 sinus, t0 c'est 0, donc on aura p sur 2 exactement comme le premier. Mais pour x2, ça serait p sur 2 plus 0,1 qui est h, fois t1 qui est encore 0,1, fois sinus p sur 2, donc on aura sinus p sur 2, évidemment c'est 1, donc on aura p sur 2 plus 0 fois 0,1, 0,1. Donc, qui est un simple calcul, bien sûr, qu'il faut, mais il faut faire attention par rapport à l'application. La même chose pour le deuxième. Nous avons H, c'est 0,1. T0, cette fois, c'est 1. Et là, c'est très important de faire cette distinction-là. Dans certains livres, dans quelques références, on dit que nous pouvons toujours supposer que T0 égale à 0, quitte à faire un changement de variable. Et dans certains livres ou quelques références, vous allez trouver toujours T0 égale à 0. D'accord? Comme il s'agit d'un intervalle de temps, au lieu de travailler sur l'intervalle T0, T0 plus grand T, les auteurs vous disent, bah, quitte à faire un petit changement de variable, on peut toujours nous ramener à un intervalle 0 grand t. Donc, ça dépend des situations. Moi, je n'ai pas travaillé avec cette méthode. Donc, il se peut qu'à chaque fois, nous aurons là une valeur différente
pour T0, pas toujours 0. Le cas ici, c'est 1. Bien sûr, on ne peut pas trouver T0 négatif parce que sont des intervalles de temps, mais il se peut qu'on considère T0 égale à 1 ou T0 égale à, je sais pas moi, un quart, peu importe, une valeur positive, d'accord? Donc, il faut faire très attention à l'intervalle d'étude. L'intervalle d'étude pour le premier problème, c'est 0 grand T. Et l'intervalle d'étude pour le deuxième, c'est 1 grand T. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, nous avons ici T1 qui est égal à 1,1 et pas 0,1. C'est T0 plus H toujours. Donc, X0 est donné égal à 1. X1, je remplace, je fais les calculs, je trouve 1, 3. Et X2, je remplace, je fais les calculs, je trouve 1,651. Voilà les deux premières itérations. Bien sûr, ces itérations ne donnent aucune information par rapport à la convergence et tout. C'est juste les premières itérations des calculs. Là aussi, il faut comprendre que vous ne pouvez pas vous substituer à une machine pour faire des calculs à la main, mais pour quelques itérations, vous pouvez le faire. Pour toucher l'aspect numérique de ces schémas, vous devez faire les calculs correctement pour quelques itérations. D'accord? Bien sûr, on ne va pas vous demander de faire des dizaines d'itérations. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas faisable. Mais pour toucher aux aspects numériques, quelques itérations, vous pouvez toujours les faire. Alors, l'autre question était, est-ce que ce schéma converge vers chacune des solutions? D'accord? Bien sûr, les méthodes d'Euler ou les schémas d'Euler explicites, et ça, nous l'avons vu juste à l'instant même dans l'autre cas pratique, à condition que la fonction f est lipschitzienne, donc c'est-à-dire la solution existe, la méthode d'Euler le schéma il est consistant et stable, et donc il est convergent. Donc, la seule condition qui reste à vérifier, c'est le fait que la fonction f, définissant chacune des fonctions définissant les deux problèmes, est une fonction qui est lipschitzienne. Ça demande parfois un petit calcul, comme j'ai dit, mathématique. Je vous ai donné l'idée tout à l'heure. Voilà, pour la fonction du problème P, ftx moins ftY, c'est t sin x moins t sin y, c'est valeur absolue de sin x moins sin y. J'applique directement ici sans formule de transformation, j'applique le théorème des accroissements finis par rapport à la fonction sinus et je récupère donc cosinus d'une constante C qui est entre x et y. Multiplié par la valeur absolue x moins y. Donc, évidemment, je peux prendre L comme étant T cosinus de valeur absolue de cosinus de C. Bien sûr, T est une constante par rapport à x et y. Ça, c'est la définition de lipschitzien par rapport à sa deuxième variable. On considère la première variable T ici comme étant une constante. Donc, ici, j'ai T valeur absolue de cosinus de C. C'est ma constante L. D'accord? C'est ma constante L. Donc, c'est une fonction qui est bien lipschitzienne. La même chose, bien sûr, ici, il y a l'explication. D'accord? Il y a l'explication par rapport à sinus x moins sinus y, sinus x moins sinus y, x. Pourquoi je peux remplacer sinus x moins sinus y par cosinus c x moins y. Évidemment, je l'ai dit, c'était une des valeurs des accroissements finis. Et puis, là, nous avons une majoration importante, c'est que petit t cosinus, comme petit t peut être n'importe lequel, donc au lieu d'utiliser une constante de Lipschitz pour chaque T constante, on peut majorer par grand T, d'accord? On peut majorer par grand T et choisir donc une constante qui ne va pas dépendre de petit t pour obtenir
le fait que la fonction est cartésienne sur tout l'intervalle 0t au lieu de le faire point par point. D'accord? La même chose pour la deuxième fonction, ftx moins ftY, ce calcul, nous l'avons dit tout à l'heure, donc il n'y a aucun souci par rapport à cette fonction. La fonction est cartésienne de constante 1 et le schéma d'Euler, il est stable et consistant et donc c'est un schéma qui est converge. Bien sûr, ça serait intéressant de vérifier, je ne vais pas le faire ici, mais je vous invite à le faire. Ça serait intéressant de vérifier si vous pouvez déterminer la solution exacte des deux problèmes et vous faites une comparaison pour les premières itérations que nous avons calculées ou bien les itérations et voir un petit peu comment s'annonce donc l'écart entre la solution exacte et la solution approchée calculée à travers le schéma donc numérique d'Euler. Voilà, donc j'ai préféré revenir un petit peu sur ces notions parce que comme j'ai dit, sont donc les notions de base de cette première partie du cours et que nous allons retrouver dans la deuxième partie, dans le cas un peu général. Donc, notion de consistance, de stabilité, de convergence avec l'ordre de consistance ou de convergence et avec les critères. Il faut savoir manipuler ces éléments-là, connaître les critères, que ce soit critères de consistance, que ce soit critères de stabilité, que ce soit critères de consistance d'un certain ordre P. Vous comprenez que les définitions sont là, mais il y a beaucoup d'outils mathématiques qu'il faut revisiter. Il faut que revisiter en plus des équations différentielles que nous avons discutées la dernière fois. Il faut bien revisiter tout ce qui est fonction plusieurs variables, hein, et qu'on réviser un petit peu les définitions de continuité, de différenciabilité, de calcul de la différentielle, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les fonctions que nous utilisons sont des fonctions plusieurs variables, deux ou trois variables. F est une fonction deux variables, définissant le problème de Cauchy. Phi est une fonction trois variables, définissant le schéma numérique. Donc, ces outils mathématiques sont indispensables. Ben, il vaudrait mieux les revisiter rapidement pour pouvoir les utiliser sans difficulté. Bien. Alors, maintenant, nous allons donc attaquer un deuxième, on va dire, un nouveau paragraphe et on va dire un autre niveau un autre niveau dans ces schémas numériques. C'est-à-dire que nous allons passer de méthodes plus ou moins simples, parce que les trois méthodes que nous avons vues au début, c'était des méthodes simples. Ça veut dire quoi, des méthodes simples? Ben, à la rigueur, nous avons une fonction phi très simple, ou bien c'est f, tx exactement, ou bien avec la méthode point milieu ou la méthode de Heune avec une petite variante, mais c'était plus ou moins des méthodes simples. Évidemment, depuis toujours, l'objectif de l'analyse numérique, c'est de créer des méthodes donc, qui sont fiables. Ça veut dire quoi, des méthodes qui sont fiables? Ça veut dire qu'elles sont convergentes, oui, mais ça veut dire qu'elles sont encore, qu'elles convergent plus rapidement, entre guillemets, c'est-à-dire avec un ordre de convergence plus important. Et depuis toujours, le challenge de l'analyse numérique, c'est de créer des méthodes qui sont stables. D'accord? Qui sont stables. Pour ne pas donc fausser les résultats lorsque nous avons des perturbations. Donc tous ces éléments-là donc ont poussé donc les mathématiciens qui s'intéressent à ce champ de ces disciplines mathématiques à toujours à chercher des méthodes qui sont plus performantes. Et donc se limiter à ces méthodes-là que élaboré depuis longtemps et avec des approximations un petit peu parfois pas très très fines parce que remplacer l'intégrale par en utilisant la méthode rectangle gauche par exemple, bah, c'est une approximation qui perd beaucoup d'informations parce que
Bien sûr, la différence parfois elle est importante. Donc, dans ce souci de généraliser ces méthodes, ces schémas numériques des équations différentielles ordinaires, il y a plusieurs axes de recherche. Et nous allons voir les premières, on va dire, généralisations qui sont très importantes et et qui peuvent nous donner des méthodes à un certain niveau encore plus importantes. Pensons les méthodes ou les schémas de Runge-Kutta. Alors peut-être j'ai dit Quintuple par erreur, c'est Runge-Kutta. Voilà. Ces méthodes-là, elles se basent sur le même principe. C'est-à-dire, j'ai une équation différentielle ordinaire, je vais l'intégrer et je vais utiliser une quadrature intégrale pour le second membre qui se forme d'intégrale. Sauf que là, cette fois-là, la quadrature ne va pas être une quadrature simple avec interprétation géométrique. Parce que les méthodes que nous avons utilisées jusque maintenant, rectangle à gauche, point milieu, pour rectangle milieu, et trapèze, sont des approximations, sont des quadratures permettant de calculer les intégrales avec des interprétations géométriques simples. Bien sûr, ce sont des méthodes, on peut dire qu'elles sont fiables à leur juste niveau, mais elles ne le sont pas toujours. Dans votre cours d'intégration numérique, en S4, je pense, vous avez parlé d'une quadrature. C'est quoi une quadrature? Une quadrature, c'est une manière de calculer une valeur approchée, une intégrale. En utilisant quoi? En utilisant des points, un schéma de points, d'accord? Ou un système de points, qui peuvent être des points obtenus suite à la discrétisation de l'intervalle, qui peuvent être des points, sans discrétisation, mais des points appartenant à l'intervalle. Donc, d'une manière, voilà, d'une manière globale, une quadrature intégrale, elle est donnée sous forme sigma des points oméga i, f de x et y. Parfois, ici, on ajoute b moins a. D'accord? Ça, c'est la valeur quadrature si i, c'est notre intégrale de a à b, f de s, ds. Bien sûr, méthode rectangle à gauche, méthode point milieu, méthode trapèze sont des quadratures, évidemment. D'accord? Mais avec des poids, par exemple, rectangle à gauche, il y a un seul point, c'est A, et un seul poids, qui est 1. Rectangle, point milieu, il y a un seul point, c'est A plus B moins A sur 2, c'est le milieu de l'intervalle, avec un seul poids, qui est 1. Méthode trapèze, il y a deux points. C'est A et B. Il y a deux poids, oméga 0 et oméga 1. Pourquoi? La méthode trapèze est égale, donc ça nous donne F de A, ça nous donne B moins A sur 2, F de A plus F de B. Voilà, ou bien B moins A, F de A plus F de B sur 2. Donc, si je fais l'analogie avec ce schéma, j'ai le B moins A ici. Donc, je peux dire j'ai oméga 0 égale à oméga 1 égale à 1,5. Et j'ai X0 égale à A et X1 égale à B. D'accord? Donc, c'est aussi une quadrature. Bien sûr, la somme des oméga I ici, lorsque je prends B moins A, là, je prends la forme canonique de la quadrature, c'est-à-dire je mets en évidence le B moins A ici, ben la somme des oméga I, c'est 1, évidemment. Et je peux continuer avec la méthode de Simpson. La méthode de Simpson, c'est B moins A
f2e sur 6, f2a plus 4, f2a plus b sur 2, plus, non, je peux, on peut écrire ça aussi, d'accord, c'est b moins a sur 6, f2a plus 4 f2b plus, plutôt f2a plus b sur 2, plus f2b. Évidemment, ici, j'ai oméga 0 qui est égal à 1 sixième. Attention, ce 6-là, normalement, il est là, pour retrouver la forme canonique. Oméga 1 égale à 4 sixièmes. Oméga 2 égale à 1 sixième. Évidemment, la somme des oméga i, c'est toujours 1. Et bien sûr, j'ai x0 égale à a. X1 égale à a plus b sur 2. Et x2 égale à b. Quelle est l'origine de ces quadratures? Bah, l'origine de ces quadratures, l'une des origines, c'est l'interpolation. Pour démontrer ces formules de quadrature, bah, on passe par l'interpolation. Nous avons un certain nombre de points. D'accord? Donc, on définit à partir de ces points un polynôme d'interpolation qui donne une approximation de f. D'accord? Et puis, on dit que l'intégrale de a à b de f de x dx est approximativement égale à l'intégrale de a à b Pn de x dx. Comme Pn est un polynôme d'interpolation, je peux utiliser la. Bon, je peux intégrer un polynôme de manière plus simple que celle de f, et donc je vais obtenir donc une approximation sous forme de quadrature. Mais si la discrétisation est uniforme, si xi égale à x0 ou a, si xi égale à a plus ih, ma discrétisation est uniforme. Je peux écrire le polynôme d'interpolation sous forme sigma de f de xi le de x. D'accord? Et il y a un petit calcul avec changement de variable pour obtenir des coefficients, des poids qui vont être constants, qui ne dépendront pas de la fonction ni de l'intervalle. Ils dépendront seulement de n. Et c'est comme ça qu'on démontre donc les formules de Simpson, de Simpson généralisé, et à la formule Simpson 3 huitièmes, qui utilise, là Simpson utilise 3 points, Simpson 3 huitièmes, il utilise 4 points. Et donc, ça nécessite aussi que vous révisez un petit peu ce chapitre sur les intégrales numériques, d'accord? Résister ce chapitre, mais ce que faut retenir ici, c'est que l'équation différentielle ici crée x prime égale f de tx, x prime de t égale f de t x de t, comme ce que nous avons l'habitude entre deux points, x i, xi plus 1, ou xn, xn plus 1. Là aussi, la même chose. On sait que de ce côté-là, ce que nous allons obtenir. Et là, en remplaçant cette intégrale par un schéma de quadrature. Ou par une formule de quadrature. Sigma oméga i, on peut mettre ici xi plus 1 moins xi oméga i f et comment nous allons préciser les points ici. C'est l'idée principale des méthodes des méthodes de Runge-Kotar. C'est que, et à chaque fois, c'est qu'on remplace l'intégrale par une formule de quadrature plus importante que ce que nous avons utilisé dans les trois premiers exemples.